the crew of the Lady Ghislaine are still in Tenerife waiting for the results of the autopsy on Robert Maxwell luxury yacht Maxwell was flown to Jerusalem for a grand funeral it was the end of a rags to riches story that began with him selling potatoes off a cart in Czechoslovakia and ended with him owning a global media empire but then the truth came out Outside Westminster, victims of Robert Maxwell's pension fraud. They Maxwell was a crook. He had stolen hundreds of millions of pounds from his employee's pension fund. But was this simply evidence of a desperate man drowning in a sea of debt or of a psychopath in the boardroom? I think there is such a thing as a corporate psychopath. Now, they don't have the overt antisocial behaviour of the psychopaths that we find behind bars, but they do have the ruthlessness, lack of empathy, and sheer determination to achieve high status. As regards Maxwell's death, there are three plausible scenarios. He was either bumped off, or he committed suicide, or it was simply an accident. Maxwell knew that the game was up. From where he was on board his yacht, the Lady Gillane, where he died. That when he went back, he was due to fly back to London that morning. That he was going to effectively face three firing squads. He knew the fraud squad were after him, the mirror pensioners were after him, and the banks were after him. So, if it was an accident, in many respects, it was a very fortuitous accident. Um, I feel that. And I've grappled with this a lot. I feel that possibly the line between suicide and an accident is less clear cut than we tend to assume. And hey, bonjour à tous, I'm Appelle Yann Rajdi, and welcome to the Révolution Culturelle, episode of 28 octobre 2023. Euh, donc, l'épisode 15, Une Nation sous emprise, le fief mafieux de Robert Maxwell. Tout un chapitre aujourd'hui. Commanditaire spécial, parce que, euh, on est rendu là, on est rendu avec un commanditaire viriliste. Donc, François Aubé, entrepreneur en construction, si euh, vous voulez lui envoyer une soumission, c'est faconstructionacommercial.ca. Euh, J'ai mis. Son adresse courriel dans la description du vidéo. Et euh, aujourd'hui, mandat spécial pour les patriciens, il faut qu'on se rende à 125$ pour qu'ils doublent le montant des, euh, des super chats et des dons durant l'émission. Donc j'ai besoin de vous, chers patriciens. Il faut qu'on se rende à ça, sinon c'est kit ou double. Donc c'est 0 ou 250 qu'ils m'envoient. Euh, et je vous montre quest ce que j'achète avec cet argent-là. Hein? Parce que ça ne sert pas à rien. J'ai reçu ça aujourd'hui, Dominion. Euh, comment la révolution chrétienne a refait le monde? C'est dans les trucs que j'étudie, c'est un nouveau livre. Euh, c'est pas le premier que, avec ce thème-là. Donc, il euh, y a un débat dans les cercles conservateurs, chrétiens, libéraux, euh, old school, qu'on pourrait dire, pas liberals à. à à l'anglo-saxonne américaine euh, gauchiste. Il euh, y a une polémique qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense que ça va être un gros sujet en 2024. C'est. Il euh, y a le libéralisme et il y a le christianisme. Et quand tu euh, sépares les deux, ça ne fonctionne plus. Ça prend les deux. Hein, vous regardez, c'est quoi qu'il y a dans la Constitution Nos droits ne dépendent pas d'un roi. D'un empereur, d'un représentant de Dieu, ils descendent directement de Dieu et on est égaux. C'est pour ça qu'on est égaux. C'est pas parce qu'on a décrété avec des lois, c'est parce qu'on a reçu ces droits-là de Dieu. Hein? Puis quand on sépare le libéralisme du christianisme, ça fonctionne plus, on, on tombe dans la licence, on distribue des droits comme du pain. Euh, donc ça, c'est un, un gros sujet. Euh, ça, c'est pour mon cours d'éducation à la citoyenneté chrétienne, donc les deux traités de gouvernement de euh, John Locke en version Cambridge universitaire avec des, des notes. J'ai terminé le triptyque sur les révolutions scientifiques. Vous savez, euh, les gens comme Didier Raoult euh, connaissent beaucoup l'épistémologie et quand on, fait des, quand on écoute les gros podcasts avec eux, euh, on se rend compte, euh, il, des fois, il donne des, euh, des références à lire. Donc, par exemple, Didier Raoult, qui a donné les trois Thomas Kuhn, Révolution scientifique, euh, Structure de révolution scientifique, euh, Feyerabend, ça c'est euh, Contre la méthode, et euh, Karl Popper, La logique des euh, découvertes scientifiques. C'est les trois, les trois euh, euh, livres les plus importants quand tu étudies, euh, tu t'introduis à l'épistémologie. Euh, Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Le dernier de la gang à Jonathan Haidt et Greg you Lukanov. Donc ça, c'est euh, la suite de The Coddling of the American Mind. Là, on est rendu avec The Cancelling of the American Mind. Euh, donc c'est ça. Euh, Jonathan Haidt, il a juste écrit la préface pour celui-là. Euh, mais c'est la même gang qui ont étudié les changements... Euh, évolutif qu'on pourrait dire générationnel. C'est un, un autre livre avec euh, Gene Twing euh, qui, euh, qui a sorti Génération euh, pour parler des différences générationnelles. Ça fait deux livres récents sur euh, euh, les changements démographiques, les problèmes de santé mentale dans la, la jeune population surtout. J'ai reçu L'origine de l'Empire, un, un livre d'histoire euh, de euh, Rome, de la République à l'empereur Adrien un gros livre, hein? uh, Government Gans Gangsters de Cash Patel. Cash Patel qui pourrait être le prochain euh, secrétaire euh, de la justice ou conseiller sécurité nationale dans ces eaux-là si Donald Trump revient au pouvoir. Donc c'est une personnalité très importante. Il nomme tous les gangsters, les mafieux, les espions qui sont dans le gouvernement Biden. Euh, donc, c'est la fin du récit Une nation sous-emprise. Parce qu'une nation sous-emprise, ça se termine avec l'histoire de Jeffrey Epstein, puis son, euh, son suicide. Et euh, évidemment, ça continue après. Il y a des gens qui reprennent le réseau en main. C'est là-dedans qu'on va en parler. Et le dernier livre qui est arrivé, c'est excellent celui-là une grosse bible le cerveau du pentagone l'histoire euh, décensurée de l'agence d'arpa ça c'est du, du gros stock encore une fois donc c'est ça 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 que ça vous permet de euh, c'est à ça que ça sert l'argent que vous m'envoyez capable de construire des références pour faire du contenu toujours original il n'y a personne ailleurs qui le fait s'il y a quelqu'un qui fait des podcasts semblables envoyez moi la page comme ça je vais pouvoir le suivre et arrêter de travailler donc euh, euh, encore une fois 125$ avant, la fin, euh, avant ce soir j'ai besoin de vous cher patricien une nation sous emprise chapitre 9 la fin de Whitney Webb je ne vous ai pas montré Hein, C'est celle-là, l'image. Refaisons. Bon, encore une fois, j'ai mon euh, ma caméra qui défocuse sur ma tête. Euh, donc, euh, refaisons un récapitulatif de, des premiers chapitres. Mais euh, cette fois-ci, en, en, en re, euh, ressortant les noms importants. Donc, chapitre 1, Syndicat national du crime organisé. Comment il euh, y a des gens qui ont, sont allés chercher des mafieux, puis ils ont aidé à devenir un syndicat national du crime organisé. C'est qui ces quatre mafieux-là Bugsy Siegel, Meyer Lensky, Charles Lucky Luciano et Frank Costello, alias Vito Corleone. Donc, ces quatre-là sont devenus Syndicat national du crime organisé. Qui a, créé, a mis ça en place tu euh, les boss de l'OSS, hein? l'Office of Strategic Services, avec à sa tête le général William Donovan, qui travaillait avec un autre William, cette fois-ci un Anglais du MI6, euh, la division SOE section D, William Stephenson. Puis on découvrait que, en fait, Stephenson pilote. Plus ou moins Donovan. Donc, les anglo-saxons font beaucoup de pression à l'époque de, euh, des, des guerres mondiales et un peu avant. Euh, du côté euh, du contre-espionnage, on a J. Edgar Hoover et le FBI. Et là, tout ce beau monde-là font l'opération X euh, la euh, pour aider les mafieux à trafiquer de la drogue en Italie pour pouvoir avoir des renseignements durant la deuxième guerre mondiale et ils font aussi une filière en Asie euh, opération X euh, donc c'est tout ça ensemble et, et qui évidemment est derrière ces agences de renseignement euh, public et il euh, y a des grandes familles oligarques c'est eux qui pilotent la guerre les guerres mondiales et donc qui font du lobbying dans le gouvernement américain dans l'exécutif chez des politiciens pour faire avancer leur, euh, leur agenda euh, guerrier, qu'on pourrait dire. Donc, des oligarques. Par exemple, euh, au niveau de l'OSS, les familles oligarques Mellon, Morgan, Dupont, Vanderbilt, chez, euh, chez les Anglais euh, en Asie pour l'opération X, c'est les Sassoon et les Keswick. Euh, donc, là, on a déjà six grandes familles. On a, après cette, euh, la génération des mafieux syndicats nationaux du crime organisé, la CIA euh, va avoir des euh, super banquiers plus ou moins mafieux, des opérateurs spécialistes en, en finance, en création d'entreprises, en immobilier, des gens comme Henry Crown et Paul Elliwell, ça c'est des opérateurs de haut niveau qui sont en lien direct avec les, euh, les mafieux. Euh, Paul Daly-Wilson surtout en Floride chapitre 2 on voit l'histoire de Edgar Bronfman alias l'homme le, euh, le, le, de, euh, de whisky, Bronfman c'est ça que ça veut dire euh, qui est très puissant au Canada surtout euh, en Manitoba Saskatchewan dans l'état euh, des prairies on voit aussi l'histoire de la French Connection, qui est encore une fois des ma les mafieux qui ont eu l'appui des agences de renseignement pour faire du trafic de drogue humain, d'armes à travers le Liban et les gouvernements européens. On voit aussi l'histoire du euh, trio qui a créé l'opération que Jeffrey Epstein va reprendre, rendue dans les années 90. Donc là, on est dans les années 20, 30, 40. Louis Rosenstiel, J. Edgar Hoover, Roy Kahn, avec à la tête du plan le, le chef de, qui a eu l'idée, Louis Rosenstiel, qui a mis des micros et des caméras dans sa, dans sa maison de New York. Il a refait les plans avec J. Edgar Hoover et Roy Kahn dans la blue suit, la suite bleue, où il y avait des jeunes hommes. Qui, fait, euh, qui entretenait des gens importants et tout était pris en vidéo en, avec les communications enregistrées. Euh, donc ça, c'est la première génération des, des opérateurs de chantage sexuel. Chapitre 3. On a vu la création de, du narco-État Israël. On a vu aussi l'introduction des Hardy Boys de William Bill Casey. William Bill Casey qui fait partie des... Euh, Première génération des agents de la CIA, transition au SS-CIA. Il est devenu chef de la CIA euh, plus tard. Il a, été, euh, il a été politicien, il a été euh, dans l'administration, euh, dans des administrations de certaines, euh, de, à certaines époques. Euh, il y a eu des trous, il a été dans le privé aussi, tout ça. Quelqu'un de très important. C'est un peu la courroie de transmission. Entre les, la première génération, la deuxième et la troisième génération euh, de euh, la CIA. Donc les Hardy Boys, c'est la gang. Parmi eux, on va avoir les plombiers de, de Richard Nixon qui vont plomber euh, la fin de son mandat et empêcher sa réélection. Roy Kahn, qui, est un, euh, donc, qui était un dans la commission McCarthy, le bras droit à Joseph McCarthy. Homosexuel. Euh, il fait du chantage sexuel. On, on découvre que c'est un corrompu. Il, il, il perd ses postes et son statut dans l'administration publique, mais il, il devient l'avocat des mafieux dans le privé. Euh, chapitre 5, on voit un autre opérateur, euh, Robert Keith Gray. Euh, 50 nuances de gris. Lui, c'est le gars qui a euh, repris... Euh, tout, l'empire de euh, Louis Rosenstein au niveau du chantage sexuel, l'opération, l'opération de chantage sexuel aux États-Unis. Donc il y a des, quand Louis Rosenstein a pris sa retraite, il a vendu ses parts en Israël, il a vendu ses opérations en Angleterre et il a vendu ses opérations aux États-Unis et les opérations sont devenues indépendantes. Robert Key lui, c'est l'opérateur qui était derrière le Watergate. C'est ça qu'on a appris. Euh, donc, ça, c'est l'époque Nixon-JFK. On a vu que Robert Key Gray, c'est un maître-chanteur, qu'on pourrait dire. Derrière le Watergate, euh, le Watergate qui était un honeypot. Donc, on, on avait une agence d'escorte qui euh, habitait à cet endroit-là avec les clients du Parti démocrate et euh, d'autres lobbyistes, entrepreneurs, industriels, euh, journalistes proches du Parti démocrate. et euh, il y avait euh, des euh, appartements dans d'autres édifices aux alentours. eux, eux ils faisaient et euh, ils répondaient au téléphone puis ils distribuaient les escortes. et en même temps les, les petits carnets noirs ont été utilisés pour faire de la corruption. Pour, euh, de l'extorsion du chantage. Euh, on a vu après ça euh, l'introduction donc euh, des, des, des opérateurs de deuxième génération des agences de renseignement qui ont commencé à privatiser les services de la CIA. Donc tout ce qui était développé comme méthodologie dans la CIA, on exporte ça puis on crée des entreprises privées. Donc Edwin Wilson, Thomas Klein, Ted Shacklist, des gens très importants. Euh, moi, je ne connaissais pas, hein, je suis certain que vous aussi. Euh, chapitre 6, on voit que il n'y a pas juste les familles que j'ai dit plus tôt qui ont des agences de renseignement, il y a aussi la famille Rockefeller, qui, eux, sont tellement hein, des oligarques puissants, les Rockefeller de la côte est américaine, qu'ils ont leur propre agence de renseignement. Euh, et ils ont des opérateurs travaillant pour eux comme Henry Kissinger. On voit aussi George H. W. Bush, euh, directeur de la CIA, vice-président, qui euh, lui vient avec son réseau de mafieux texans. Donc, on voit une autre gang ici d'oligarques, les oligarques du Texas. On voit des euh, oligarques du Safari Club, qui est un groupe de lobbyistes étrangers, euh, des agences de renseignement des pays étrangers, surtout des pétromonarchies euh, du Moyen-Orient. On voit le Georgetown Club, basé à l'université du même nom. On voit des, euh, des réseaux de think tank pour euh, un peu avoir des mercenaires idéologiques, euh, journalistes, académiques, artistes, euh, lobbyistes, politiciens. Et euh, on voit aussi le Clermont Club euh, avec le Thursday Club. Ça, c'est euh, des histoires plus de trafic humain. Euh, dans l'époque, Jimmy Carter, Ronald Reagan, chapitre 7. Ça, c'était un chapitre focusé à 100% sur BCCI, la banque de la CIA. Euh, donc, on a vu comment la BCCI, la, euh, la BCCI fonctionnait. Donc, il y avait la BCCI qui offrait des services de euh, fuite fiscale, paradis fiscaux, stock d'argent euh, pour éviter la, les taxes et l'impôt. Ça, c'était la, la façade ouverte, licite. Et la façade illicite, c'était The Enterprise. Euh, avec à sa tête Edwin Wilson Thomas Klein, Ted Shackley, la CIA. The Enterprise était donc un sous-traitant euh, du chef officiel de la CIA, William Bill Casey. William Bill Casey trouvait que ce n'était pas assez efficace, donc il a décidé de faire appel à plusieurs sous-traitants. Donc, un autre gang de trafiquants d'armes, de drogue et de trafic humain, c'est le Supermarket de George H.W. Bush, donc deux réseaux de vendeurs de trafiquants d'armes, de drogue et de euh, d'esclaves, de, euh, souvent sexuels, euh, qui avaient une rivalité entre les deux. Et donc, euh, le euh, Bush a c'est lui qui est responsable d'avoir rendu public l'opération Enterprise de la BCCI. C'est pour ça que publiquement. Nous savons que BCCI, c'est la banque de la CIA. Sans George H.W. Bush qui voulait cacher sa propre entreprise, nous n'aurions jamais su ça. <laughs> Donc, euh, euh, ensuite de ça, la semaine passée, hein, on a vu. Euh, non, chapitre 8 avant ça l'histoire des Clinton et le réseau derrière les Clinton. Avec aussi la vraie histoire de Barry Seal. Là, on a, dé on a développé un, un autre réseau de mafieux d'agence de renseignement, cette fois-ci basé en Arkansas. Donc, Arkansas, côte est américaine, Floride, Texas, ils ont tous leur réseau mafieux. Et là, la semaine passée, on a raconté l'histoire de Robert Maxwell, alias Jan Ludwig Hutch, alias Abraham Hutch. Alias Yann Ludwig, alias Leslie Dumari, alias Robert Maxwell. Donc, le super espion de la Deuxième Guerre mondiale, sioniste euh, dans le dossier du MI6, espion 100% loyal à Israël. Euh, C'est lui qui est derrière le scandale promise. On a vu, euh, c'était quoi cette affaire INSLA de fond en comble la semaine passée um, c'est le, le, le logiciel promise, c'est euh, le chaînon manquant pour comprendre d'où vient le système dénoncé par Edward Snowden, Palantir. Donc, la première étape, c'était le réseau de mafieux à la tête de l'État profond. J. Edgar Hoover, Roy Kahn, Louis Rosenstiel euh, avec leur projet à la Blue Zoo pour enregistrer du mat matériel compromettant. Ça, c'est la version 0.1, le bêta. Hein? Après ça, ça allait, on a eu plusieurs versions, les petits carnets noirs, le Watergate. Bon, ça, ça se répétait. C'est la même méthode. Là, version 1.1, on a utilisé les technologies de l'information pour créer des bases de données. La base de données main core. Et pour. Qu'est-ce qu'il y avait dans la base de données Maincore? La base de données des dissidents politiques à l'État profond américain. Ça, c'était un des versants de Promise. Promise était utilisé pour enquêter, faire des recherches sur cette base de données Maincore. Pas juste pour ça, c'était aussi pour enquêter sur la fraude fiscale, le blanchiment d'argent ou faire soi-même du blanchiment d'argent, de la fraude fiscale. Palantir, Promis, euh, ce sont des systèmes défensifs et offensifs. Donc, tu peux te protéger, tu peux enquêter sur la corruption ou tu peux faire toi-même de la corruption avec ces systèmes informatiques-là. Et donc, la version 2.0, c'est Palantir. Chapitre 9.6 L'homme qui en savait trop. The man who knew too much. Donc, on a vu qu'il euh, y avait des, beaucoup de lanceurs d'alerte. Euh, on a vu que le logiciel Promis avait été fuité par le département de la justice, euh, que euh, la CIA était impliquée, les, euh, services, les, les agences de renseignement israéliens étaient impliquées. Et la mafia aussi était impliquée. <laughs> Donc, allons voir un opérateur mafieux qui s'appelle Robert Boot Nichols. Vice-président senior sur le board de First, Inter First Intercontinental Development Corporation, FIDCO. Sur le board présent avec Robert Boot Nichols, il y a Clint Murchison Jr., un oligarque texan. Donc probablement de la gang à George H. W. Bush, vice-président avec Robert Boot Nichols, euh, un Robert Maheu, agent euh, dans euh, enquêteur privé, détective privé, qui est un agent de liaison, un opérateur entre euh, la CIA et la mafia. Donc en général, tu vas voir Robert Maheu. Si tu veux avoir des mafieux qui vont faire des tâches pour toi quand tu es un agent de la CIA, euh, Robert Maheu lié à l'assassinat de Robert F. Kennedy, selon l'auteur Lisa Pease, selon le lanceur d'alerte criminel hacker Michael Reconosciuto qu'on a vu, il est en prison dans le reportage de la semaine dernière. Euh, L'entreprise First Intercontinental Development Corporation est un véhicule du National Security Council pour faire du financement de reconstruction de villes au Moyen-Orient, notamment à Beyrouth, à Damour, au Liban, les deux villes. En 1981, Nichols fonde Meridian Arms avec Peter Zokowski. Meridian Arms où Michael Riconosciuto est vice-président. Meridian Arms qui va rentrer en partenariat d'affaires avec l'entreprise euh, euh, manufacturière d'armes qu'on a vu dans l'histoire des Clinton. Hot, euh, qui fait euh, ses activités dans la réserve Cabazon en Californie. Donc là on a fait un lien avec un oligarque texan. Là on vient de faire un lien avec un oligarque derrière la gang de l'Arkansas et des Clinton. Meridian Arms est une filiale de Meridian euh, International Logistics. Sur le board of directors de Meridian International euh, Logistics, il y a Robert Boot Nichols, Peter Zokoski et Eugene Gianquinto. Qui est Eugene Gianquinto? Gianquinto was notably the president of the Home Entertainment Division of MCA, the entertainment giant that was later acquired by the Bronfman's Seagram Company and reincorporated as Universal Studios. One of MCA's top executives as noted in chapter one. Was Lou Wasserman, who was deeply connected to organized crime, particularly to Mo Dalits, um, and was largely responsible for Ronald Reagan's political career. Donc, là, on vient de voir le réseau de, euh, du MCA, euh, l'entreprise euh, du géant du divertissement qui est devenu plus tard les studios universels. Euh, donc, John Quinto qui était euh, le président de cette entreprise-là. Et on avait vu au chapitre 1 que dans euh, Hollywood, il y a des mafieux. Dès la création des euh, agences d'artistes, euh, des studios de cinéma centralisés, dès le début, les mafieux et les agences de renseignement ont euh, infiltré tout ça. Et donc un autre, un, un lien entre Robert Book Nichols et, et des mafieux à Via Gianquinto. Pourquoi il n'y avait pas eu d'enquête au niveau du logiciel promise, l'affaire Inslaw et les meurtres derrière On a vu que sous, dans l'administration Reagan, il y avait un procureur général qui s'appelait Ed Meese de Third. Général Ed Meese de Third et lui. Il voyait rien tout. C'est lui qui a topé, euh, stoppé les enquêtes euh, au niveau des, euh, du meurtre euh, de Danny Cassolaro, qui enquêtait sur le scandale promise. Mais c'est aussi lui qui a stoppé des enquêtes au début de l'administration Reagan, des enquêtes sur le, euh, les mafieux derrière euh, MCA, donc la, le géant du divertissement. À la clé des, ma des mafieux de euh, MCA, c'est Lou Wasserman. Euh, donc la filière connexion Lou Wasserman, Ronald Reagan qui est un ancien, euh, qui est une star, un acteur. Euh, on va en parler chapitre 10, donc la semaine prochaine, pour terminer le premier volume de la première traduction non officielle du livre de Whitney Webb. Euh, alors, sur le board aussi, sur le board de MCA. Il y a le sénateur, euh, pas John Tower, Howard Baker. Euh, John Tower, il revient tout le temps. Cette fois-ci, c'est Howard Baker. Donc, le sénateur Howard Baker, c'était lui qui était un peu le lobbyiste euh, politicien sur le board de MCA. C'est lui qui a conseillé Robert Maxwell pour son entrée à New York. Robert Maxwell qui créait un empire médiatique comme façade afin de vendre son logiciel promis et des armes et de la drogue et des, euh, des femmes. Donc lui, il, a, il voulait rentrer euh, à New York dans les années 90 avec l'aide du sénateur Howard Baker, du sénateur John Tower et de Robert Keith Gray, le maître chanteur. On va voir cette entrée à New York au chapitre 15. Selon l'auteur Sherry Seymour, Eugene Gianquinto de MCA et Nichols de Meridian Arms travaillaient au euh, Justice Department euh, ensemble euh, avec le Justice Department. Donc, c'était un peu des taupes, des, euh, des informateurs. Euh, Richard Steven, je pense que c'est un procureur, sur le dossier MCA, avait des documents liant euh, Robert Boot Nichols et du blanchiment d'argent en lien avec euh, la famille du... Euh, une des cinq grandes familles mafieuses américaines, euh, la famille Gambino. Aussi, euh, du blanchiment d'argent qu'il a fait avec euh, les euh, Yakuza japonais. Et je vous rappelle, si vous voulez les cinq ma familles mafieuses, c'est Gambino, Bonanno, Colombo, Genovese, Lucchese. Je crois que la seule que je n'ai pas nommée depuis le début de ces podcasts, c'est Bonanno. Je pense que les quatre autres ont été nommées au moins une fois. Mais les plus souvent nommés, c'est Gambino, Genovese et Lucchese. Je suis pas mal certain. Euh... Qui a fait aussi du blanchiment d'argent avec Nichols? La famille Marcos, ça c'est les oligarques des Philippines. Il, lui a, il a aussi fait, selon euh, le procureur Richard Stav Steven, du trafic d'armes avec des gouvernements, plusieurs gouvernements, euh, et du trafic de drogue euh, des années 70 avec la famille oligarque Marcos. Pour exfiltrer cet argent-là, pour blanchir l'argent, on a envoyé l'argent dans des banques suisses. Nichols, euh, selon les renseignements de Stavin et les enquêtes qui ont eu lieu, on peut déterminer de manière circonstancielle que Nichols avait probablement accès au logiciel promise pour blanchir son argent dans les banques suisses. Selon un rapport du FBI, on, on peut conforter ça que euh, Nichols avait accès aux promises et Uh, Nichols avait aussi des sources, des, euh, des agents dans les gouvernements étrangers which can detect any investigation initiated against uh, against him. Donc euh, Robert Booth Nichols, c'est un mafieux très puissant. Il avait des opérateurs, il avait des taupes dans les agences de renseignement, les agences policières sur la planète, de gouvernement étranger, pour le prévenir de toute enquête déclenchée dans la journée euh, des, des enquêtes déclenchées contre lui. Et supposément, il avait même dans ses taupes un sénateur américain, probablement, un sénateur qui siégeait sur le comité du renseignement. Je sais pas, peut-être un sénateur John Tower. Je ne sais pas, hein, Je pose la question. Robert booth Nichols peut être derrière la mort de Danny Cassolaro. C'est ça qui se passe. Danny Cassolaro, on l'a vu la semaine passée, il a enquêté sur un réseau international de crimes organisés derrière l'affaire Promise. Donc euh, c'est lui qui a sorti à peu près tout. Les renseignements que j'ai diffusés la semaine passée, au moins la moitié. Au moins la moitié. Et là, on se dit, ben là, avec toutes ces informations-là, il, il a clairement été capable d'envoyer de du monde en prison, hein, les politiciens, tout ça. À ce jour, nous n'avons pas la fin de l'histoire parce que tous ces papiers ont disparu dans la chambre de motel de Virginie. Et là, on va voir l'histoire de l'enquête. Donc, Castellaro, enquête. Et là, il découvre qu'il n'y a pas juste une personne derrière la vente du le logiciel promis, il y a un réseau, une cabale secrète. Il appelle ça la pieuvre des octopus. Donc ça, c'est en 91 à sa mort. Cassolaro croit que la pieuvre était impliquée avec des... Uh, powerful individuals, des individus très puissants, dans les secteurs privés et publics, aussi bien que dans le monde criminalisé, le monde mafieux, et qu'ils qu étaient collectivement responsables des plus gros scandales des années 80, incluant le scandale Iran-Contra, le scandale BCCI et la, uh, le vol du logiciel Promise. Cette information, donc la conclusion de l'enquête de Danny Casolaro, est confirmée par un collègue de travail qui s'appelle Dick O'Connell. Il a fait ce témoignage à Associated Press. L'auteur, Sherry Seymour, ajoute que Danny Casolaro avait lié les scandales October Surprise de Jimmy Carter, le, euh, le dossier euh, du logiciel de Insla, donc Promise. Rencontra BCCI, euh, la corporation du, de divertissement MCA, derrière la montée au pouvoir de Ronald Reagan. Tout ça était un seul réseau. Cassolaro appelle le réseau le réseau des Old Boys de la CIA. Donc, c'est les premières, deuxième génération d'opérateurs. De la gang de euh, William Bill Casey. Euh, donc, la pieuvre, le, le réseau des Old Boys de la CIA, had begun working together in the 50s around the Ab Albania covert operations. Donc, ces gens-là, le réseau derrière Promise et derrière euh, probablement la mort de Casolaro, euh, c'était donc des opérateurs qui se sont. Qui se sont agglomérés ensemble dans les années 50 en Albanie du, euh, dans des opérations clandestines, trafic de drogue, tra trafic d'armes. Avant sa mort, Danica Solaro, sur la trace de documents financiers liant la banque BCCI euh, et la World Bank, la Banque mondiale, avec des noms d'opérateurs, euh, d'agents. De renseignements étrangers qu'on a vu tout le long du livre, Adnan Khashoggi et un autre opérateur qu'on a vu la semaine passée, Earl Bryan, c'est lui qui est derrière la modification du logiciel Promise euh, par la CIA. En juillet 1991, Robert Booth Nichols menace Danny Casolaro. Oh, pourquoi? Il se passe souvent quelque chose quand on est un journaliste. Tu vas avoir des mafieux, des politiciens, des espions, peu importe, qui vont vouloir devenir ton ami. Puis là, ils te posent des questions. Ils te laissent parler. Ils te laissent te dévoiler. Ils veulent savoir tes sources pour euh, mieux connaître tes intentions. Eux, ils ne vont jamais rien dire d'eux. Quand vous avez des gens, qui ne se dévoile pas en même temps que vous vous dévoilez, posez-vous des questions. Et là, c'est ça que le journaliste découvre. Euh, au début de l'enquête, Robert Booth Nichols est une source pour euh, Danny Casolaro. Danny Cassolaro va confirmer des choses qui, euh, avec l'aide de Robert Booth Nichols. Boot Nichols va dire Ouais, c'est vrai. Euh, oui, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est ça qui est arrivé. Blablabla. Bla bla. Mais là, à un moment donné, if you continue this investigation, you will die. C'est ça qu'il dit à Denis Casalaro. Donc, Casalaro découvre que il y a des liens entre Nichols et euh, la mafia avec l'aide d'un procureur qui est dans ses sources comme journaliste. Le 5 août 1991. Michael Riconosciuto contacte le euh, propriétaire de InSla, hein, euh, Bill Hamilton, c'est lui qui avait créé le logiciel avec sa femme. Lui aussi, c'est un opérateur des agences de renseignement, mais lui, c'est un opérateur qui veut faire des affaires légales. Donc, lui, son logiciel, c'est fait pour ne pas vous frauder, c'est fait pour trouver les fraudeurs. Des bons policiers, ça existe. Des bons espions, ça existe. Euh, Bill Hamilton, c'en était un. Et là, Michael le hacker, contacte Bill Hamilton pour enquêter sur un gars qui s'appelle Mike Abel. Il était au Département de la Justice au début des années 80. Il va avoir des informations sur lui. Bill Hamilton, c'est pas sa job. Il, il contacte du monde dans son réseau. Finalement, au bout de quelques noms, le nom arrive sur le, dans le au journaliste Danny Cassolaro. Donc, euh, il, il fournit le nom. Il dit, ah, ça pourrait être lié à ton histoire. Hein. Va voir c'est qui Mike, Mike Abel. Donc, Danny Casolaro euh, veut euh, trouver les liens entre Mike Abel, Robert Nichols et Gilberto Rodriguez. Un, un fondateur, un vieux leader du Cali cartel, du cartel de Cali euh, qui a été mentionné dans le chapitre 7, euh, il y a quelques épisodes, au niveau de euh, euh, l'entreprise e système trafic d'armes, trafic de drogue euh, en Amérique du Sud. En 1994, le bureau, les bureaux de Mike Abel ont été raidés par le FBI à cause des liens et, entre lui et le cartel de Cali, au, au niveau du euh, blanchiment d'argent. Le 6 août 91, le jour suivant, Danny Casolaro va en Virginie, à Martinsburg, pour trouver le dernier morceau de casse-tête et découvrir qui est à la tête de la pieuvre du réseau des octopus. Deux jours plus tard, il est retrouvé mort suicidé à la Epstein avant Epstein dans une chambre d'hôtel. Toutes les preuves de son enquête sont disparues. La famille ne croit pas au suicide. Il y a un cover-up du FBI euh, à cause des dossiers disparus. Et euh, nous avons un scoop rechidien, page 405, 2019, des informations de 2019. Donc, euh, si vous saviez quelle était l'histoire de Danny Cassolaro avant moi, je suis pas mal certain que vous ne savez pas c'est quoi le scoop de 2019. Dans une lettre de 1994, reçue, euh, donnée à Whitney Webb en 2019 par l'avocat de Insla Incorporated, l'entreprise qui a créé Promise. Euh. Charles Work a dit au, à l'assistant procureur général John Dwyer que euh, une des sources confidentielles de INSLA au gouvernement avait dit que Casolaro a été injecté avec une substance qui a deadened his nerves from the neck down, explaining the apparent lack of struggle on Casolaro's part. And that the substance used had come from the US Army inventory. Donc, une des sources à la compagnie INSLA dans le gouvernement a dit au procureur, à Charles Ward, qui a dit au procureur, à l'assistant procureur général John Dwyer, que euh, Castellaro aurait été injecté avec une substance qui l'a paralysé, qui a empêché de bouger. Et euh, ensuite de ça, on a, il a, on a eu, euh, je pense c'est 11 coups de couteau pour trancher ses veines au niveau des poignets. Euh, The person who had arranged Casolaro's final meeting before his death was a US military intelligence officer named Joseph Quellar. Donc le poison utilisé pour paralyser Casolaro vient de l'inventaire de l'armée américaine et le gars qui a arrangé le meeting de Danny Casolaro est un officier des, euh, du renseignement militaire américain appelé Joseph Queller. Avant sa mort, Queller a promis d'arranger un meeting entre Casolaro et Peter Vidnix, un, euh, un agent opérateur sous contrat du département de la justice avec la responsabilité du logiciel Promise, qui était... Euh, un proche associé de Earl Bryan. Vidnix, avant de joindre le département de la justice, avait euh, préalablement travaillé comme contracting officer, officier sous contrat des douanes américaines durant les années de l'opération Condor qu'on a vu la semaine passée. Et il était donc en position où il pourrait avoir été celui qui euh, gérait des contrats liés à la compagnie E-System et Evergreen International, en lien avec les réseaux qu'on a vus dans les dernières semaines, la euh, même année que Cassolaro est mort, il y a eu plusieurs autres morts impliquant des gens directement connectés au scandale promis. Ou impliqués dans les enquêtes de la mort de Danny Cassolaro, ou les enquêtes de The Octopus. Incluant une des sources de Danny Cassolaro, Alan Stendorf. Impliquant un autre euh, qu'on On a vu aujourd'hui Robert Maxwell, un autre mort euh, suspicieuse. Euh, on a eu aussi un autre mort qui est euh, dans cette gang-là, le sénateur John Tower, qui est mort dans les mêmes, à la même époque, euh, qui a assisté Robert Maxwell dans la vente du logiciel promise à, dans les laboratoires de Los Alamos. Autres aspects de la mort. De Robert Maxwell euh, seront traités au chapitre 15. Parce que c'est pas terminé, ces scandales-là. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de pression qui euh, sortent dans les médias. Le monde euh, veut les enquêtes. Euh, parce qu'il y a trop de gens qui meurent en même temps. Donc, on, on va nommer. Euh, on demande au Congrès, demandé par le Congrès, un special prosecutor qui va enquêter sur les morts à l'époque de euh, George H.W. Bush, président des États-Unis. Le procureur s'appelait William Barr, Bill Barr, le procureur sous Donald Trump qui n'a rien fait, est un opérateur de la gang à George H.W. Bush. Euh, c'est à cause de ça qu'il ne voulait pas nommer de special prosecutor pour enquêter sur ces problèmes-là. William Barr, c'est lui qui a fait le cover-up. Il rencontra, on le vu au chapitre 8, euh, il opérait sous un faux nom pour faire des entraves judiciaires. Son faux nom, c'est Robert Johnson. William Barr est un ancien agent de la CIA. On n'est jamais un ancien agent de la CIA. On reste dans la CIA. Et. On va découvrir en fait au chapitre 11 que c'est probablement William Barr, le handler de Jeffrey Epstein, mes amis. Donc c'est probablement lui qui a pris la décision de Jeffrey Epstein. Bill Barr empêche au, con au Congrès l'accès aux documents liés au logiciel Promise et euh, les enquêtes au niveau des morts dans ce dossier-là. On va avoir des audiences en, en décembre 90 sur le refus de la divulgation des dossiers par Bill Barr. La pression continue à monter. On va nommer un special counsel, le juge à la retraite de Chicago, Nicolas Boua, en septembre 1992. Donc ça prend un an et demi de pression pour forcer Bill Barr et Bush à nommer un special prosecutor qui s'appelle Nicolas Boua. Il va pondre euh, Boua un rapport de 267 pages, début 1993, où il va expliquer qu'il y a no credible evidence to support the Hamilton's allegation. Donc euh, fake news. Vous êtes des complotistes, selon Nicolas Boua, qui a été mis en place par Bill Barr et euh, Bush. Bill Hamilton refute, réfute le rapport au Congrès. Donc, la réponse à, ce, à un faux rapport de commission ou de Special Prosecutor, c'est d'inviter les accusateurs au Congrès, le couple Hamilton, pour réfuter. Les allégations du rapport. Donc, le House Judiciary Committee fait comme aujourd'hui avec les histoires de fraude électorale à 2020 qui font venir des témoins. Et à ce jour, personne n'a repris l'enquête promise Castellaro di e Octopus. Donc, malgré ce... Euh, cette tribune, nous n'avons toujours pas la, le fin mot de l'histoire. Nous ne le saurons probablement jamais, malheureusement. Paix à l'âme de Denis Cassalaro. C'est la fin de la section gratuite de l'épisode d'aujourd'hui, donc 54 minutes. Alors que je vous rappelle à la maison, euh, j'ai besoin de financement, j'ai besoin de donateurs, j'ai besoin de patriciens, donc il faut que... Euh, d'une manière ou d'une autre, je trouve capable de, 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 de me financer. Et comme je n'ai pas assez de dons, je mets ça euh, derrière un paywall. Donc sur luxmedia.info yandros.com ou sur YouTube, vous pouvez aussi souscrire. C'est 5 dollars par mois. Vous allez avoir accès à tout ça. On a eu un don de Steve Gagnon, 30 dollars. Donc il manque 95 dollars aujourd'hui. On a des super chats sur YouTube. On a dessus... Sur LuxMedia, 5$. Gaël Porto, 5 de pièces symboliques. Donc, il manque 90$ aujourd'hui. Euh, ça va bien. Chapitre 9.7 CDC et des transferts technologiques. Je vous ai parlé tantôt de BCCI de la World Bank, euh, Earl Bryan Adnan Khashoggi,